Crédit Photo, Sophia Dobor Radio Bemba. Personne n'a oublié Manu Chao. À la fin des années 90, l'ancien leader de la Mano Negra cartonnait en solo avec les tubes Bongo Bong, Je ne t'aime plus, Clandestino et surtout Me Gustas Tu, tirés des albums Clandestino et Proxima Estación, Esperanza, écoulés à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Sauf que depuis la Radiolina en 2007, aucun album n'est venu garnir la discographie du chanteur franco-cubain. Sauf qu'en parallèle, Manu Chao a continué à donner des concerts dans le monde entier, que ce soit dans des salles intimistes ou d'énormes festivals, sans pour autant être ses tournées se montent seulement deux mois à l'avance et se remplissent sans publicité ni interview. S'étonne Philippe Tassard dans les colonnes du Parisien, lui qui a organisé deux concerts de l'artiste à Beauvais et Maubeuge qui ont rapidement fait le plein. Le player Dailymotion est en train de se charger. Var configuration égale new object. Configuration.video égale x902s76. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, un duo avec une star française. Sauf qu'après avoir écumé les routes du monde entier, Manu Chao revient aux choses sérieuses. Var configuration égale new object. Configuration.video égale x902s76. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, un duo avec une star française. Sauf qu'après avoir écumé les routes du monde entier, Manu Chao revient aux choses sérieuses. Quelques semaines après le single Viva Tu, l'artiste annonce la sortie de son cinquième album, lui aussi intitulé Viva Tu. Rendez-vous le 20 septembre pour découvrir son premier disque en 17 ans. Interprété en français, en espagnol, en anglais et en portugais, les 13 chansons de ce disque abordent l'état du monde actuel, factuel ou virtuel, peut-on lire dans un communiqué de son label Because Music. La rappeuse star de la saison 2 de la série Validée avait déjà repris son tube Je ne t'aime plus. En parallèle, Manu Chao partage son nouveau single Sao Paulo Motoboy. Ce titre, dont la mélodie rappelle celle de Bongo Bong, est un hommage au coursier de la ville brésilienne. Sao Paulo, c'est un monstre vivant. Et les coursiers sont le sang qui va et vient par ses veines et lui permet de fonctionner, commente l'artiste, que l'on peut voir dans ce clip engagé. Manu Chao sera en tournée tout l'été en Espagne, en Italie, au Portugal, mais aussi pour deux concerts en France à Talazani, en Corse, puis au Bérive les 31 août et 14 septembre. Manu Chao sera en tournée tout l'été en Espagne, en Italie, au Portugal, mais aussi pour deux concerts en France à Talazani, en Corse, puis au Bérive les 31 août et 14 septembre.